Salut et bienvenue dans un nouveau tutoriel décroché. Aujourd'hui, dans ce tutoriel, nous allons voir comment faire cette maille ici. Il s'agit d'une maille, qui donne l'effet croisé. Donc, c'est pas difficile. Il s'agit de la maille serrée. Je vais expliquer, car pour vous montrer la maille, je fais un petit panier pour poser les clés ou autre petite chose. Donc nous allons voir comment faire la maille. Pour faire la maille serrée, il faut normalement pour faire la maille serrée, il faut aller ici, piquer les crochets ici, et puis faire un jeté comme ça. Cette fois, nous allons passer les fils au-dessous du crochet et ramener le fil, et puis un jeté normal et passer le fil à travers les deux boucles. D'accord, piquer les crochets ici, puis passer les crochets au-dessus du fil, ramener le fil, un jeté normal et passer le fil à travers les boucles. En anglais, il s'appelle cette technique yarn under the hook. La traduction, c'est fil au-dessous du crochet. Mais c'est le simple maille serrée. Encore une fois, piquez le crochet ici. Dans la maille que vous voulez travailler, passez le fil au-dessous du crochet, ramenez le fil, un jeté normal et nous travaillons cette façon. Nous allons utiliser cette façon chaque fois que nous allons travailler un rond. C'est pas possible de la faire en rang, car pendant les rangs de retour, vous avez ça, donc vous n'avez pas la maille croisée. Donc il s'agit d'une maille pour travailler utile, très utile pour travailler amigurumi ou petit panier, petit ou grand panier, ou autre chose, sous place, ouvert, etc. Donc, encore deux fois pour voir la technique. Voilà. Piquez les crochets ici, dans la maille, et passez le fil au-dessous du crochet, comme ça. Et prenez, ramenez le fil, un jeté, et passez le fil à travers les boucles. La dernière fois, piquez les crochets ici, passez le fil au-dessous du crochet et ramenez le fil, un jeté normal et passez le fil à travers les deux boucles. Dernière fois,
piquait la coche ici, ramène le fil. Dernière fois. Piquer le crochet ici, passer le fil au-dessous du crochet comme ça et ramener le fil en jeté normal et passer le fil à travers les deux boucles. Merci de m'avoir suivi. À la prochaine fois. Au revoir.